Salut à tous et à toutes, bienvenue donc chez Papy Corse. Nous sommes le samedi 30 septembre 2023. Il est 14h15. Eh bien, ça fait 10 ans jour pour jour que nous sommes arrivés en Corse pour nous y installer. 10 ans, voilà, j'ai pris 10 ans dans la poire. Eh bien, je me suis dit, 10 ans, je vais me faire un petit cadeau. Ah, voilà, faire un petit cadeau. Parce que voilà, j'achète des meubles, je récupère des meubles, des objets, et puis je les retape, certains, je les repeins, je démonte, je remonte, des armoires, tout ça. C'est pas mal, franchement c'est pas mal, c'est mon métier de maintenant, je l'avais jamais fait, c'est pas mal. Et donc hier j'étais récupérer du matériel chez une personne qui est déménagée, donc gratuitement. Il y a des trucs à jeter, il y a des trucs récupérables comme un canapé cuir, il faut que je répare. Et il me fallait des outils. Les outils, on en a à droite, à gauche, hein, tout le monde en a. Et à chaque fois, on cherche toujours celui qui nous manque. Moi, ça coule de source, ça, si on ne va pas chercher celui-là qu'on a devant. Hein. Soit. Donc, j'étais à Leroy Merlin et puis je me suis acheté quelques petites choses. Parce que là, je me suis, je sais pas si vous voyez, là, je me suis ouvert le bras là, avec le canapé cuir. Il y avait des vis qui dépassaient d'en dessous et ça a rentré dans la chair, ça m'a fait très très mal. Bon, je me suis dit alors il faudra quoi? Eh ben, il faudra une paire de gants. Bon, je me suis acheté une petite paire de gants pour la manutention. Je me suis acheté une ceinture pour mettre mes outils autour de mon corps. J'ai pris large parce que j'ai pris du poids. C'est en Corse, on prend du poids. Je me suis fait un petit plaisir aussi, je me suis acheté une petite ponceuse sans fil. Avec batterie, donc j'ai déjà la Dexter, la perceuse dévisseuse, et avec les mêmes batteries, je vais pouvoir me servir de la ponceuse. Super, moi je peux la voir, elle est bleue, elle est belle. En plus, elle est aspirante. Voilà, c'est pas mal. Et le petit bac, voilà, qui va récupérer donc la poussière de bois. Voilà, et je mets la batterie ici. Toute neuve, super, je me suis fait un petit cadeau, je suis content pour essayer ça. Alors ça c'est pour poncer les tables, les armoires, que je puisse soit les repeindre ou soit les revernir. Donc c'est pas mal, j'aime bien, hein. Il faudrait que je vous montre là, un petit peu de restauration de ce que je fais. Et puis je me suis dit pourquoi pas, je me suis acheté la valise. C'est pas la valise en carton hein, de Linda Dossouz. Mais voilà, donc je vais découvrir avec vous parce que c'est tout neuf. Hein. Hop. On va voir ce qu'il y a dedans. Il y a 141 outils à l'intérieur. Enfin, outils et ustensiles d'outils, hein, comme des mèches et tout ça, je pense. Voilà. Donc, il y a une petite valisette comme ça. 41 pièces à l'intérieur. Voilà. Hop. Ah, pas de mal de se faire plaisir, hein, un petit peu. Hein. Donc, ça, vous voyez, hop. Il y a la once. Et des roulettes et voilà, elle est pas vide, hein. Super, ouais, je suis content, hein. C'est un beau cadeau, hein, pour quelqu'un qui bricole, hein. Pour un bricoleur, voilà, ça c'est un beau cadeau à faire pour son papa, pour son frangin, pour quelqu'un qui bricole, pas pour un manchot évidemment, hein. Tu te jettes, mais bon, c'est pas marrant. Allez, on y va, voilà. Alors je vais découvrir avec vous. Si vous voyez là, alors j'ai une scie, hein, une pince, des pinces. Waouh! Alors, ça, je le prends, hein, pour aller chercher des. Regardez un petit peu là, c'est génial. Des tournevis, ça, c'est une. Je sais pas, ah, pour mettre les genoux, certainement, hein, quand on travaille au sol, pour mettre les genoux. Mais bon, j'ai des genouillères de toute façon. Alors, je vais vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez un petit peu. Ah, je me suis gâté là. Ah ouais. Là, regardez un petit peu ce qu'il y a là. Hop, voilà. Super, ouais, je suis content. Je suis content, je vais pouvoir bien bricoler. Je vais aller essayer de réparer le canapé cuir. Une belle petite mallette. C'est quoi ça? Ça sert à quoi ça? J'en sais rien. Je sais pas à quoi ça sert. Ça, en mallette, ça c'est pour les genoux. Je sais pas à quoi ça sert ça.
On va mettre ça comme ça. Ça, on va fermer. Vous vous demandez peut-être combien que j'ai payé ça. Et ben 1 euro l'ustensile. Voilà. Il y en a 141 et j'ai payé 139,75, 140 euros. Voilà. Mais au moins, je suis outillé et un bon bricoleur est toujours bien outillé. Sinon, c'est pas la peine, c'est pas un plaisir et on fait que de la crotte sinon. Donc, voilà. Donc, ben, je vais faire plein de choses maintenant. Hein? Rendez-vous dans 10 ans. Hein? À la même heure, à la même place. Allez, ciao, ciao, bye bye à tous. Merci de m'avoir suivi. Bye bye.